zaka, on dit missi, 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 gros. Enfin, tout est par là. Ça, c'est quoi, vous avez changé, non? On a mis. Voilà, le père, c'est parce que lui vient de là-bas. Voilà, comprenez. On comprend de rien jamais. Soyez toujours heureux de voir le bonjour se lever sur vous. Soyez toujours heureux de savoir que la grâce de Dieu est avec vous. Soyez toujours heureux de voir que vous avez la possibilité de marcher. De faire c'est vrai qu'il y aura toujours des difficultés. Ça, ça a toujours existé. Mais soyez heureux d'être heureux. C'est ça l'essentiel de la vie. Même si vous voyez que les 100 fois que vous demandez à Dieu, il n'arrive pas à vous donner, il vous donne le souffle de vie. Soyez heureux. Dites-lui merci de le souffle de vie. Parce que c'est grâce à ce souffle de vie-là que vous allez pouvoir aller accueillir, recueillir, pardon, les 100 fois que vous cherchez. Voilà. On peut avoir l'argent, mais quand on n'a pas la santé, c'est comme si on n'avait rien. On peut avoir tous les biens du monde, mais quand tu nous manques la santé, c'est comme si on n'avait rien. Voilà. C'est difficile, mais c'est comme ça. C'est ça la vie. C'est la santé qui nous permet d'aller de l'avant, y compris sur l'avant. C'est grâce à la santé qu'on a tout. Nous, aujourd'hui, en ce premier jour de l'an, soyez heureux. Sur les Juifs, il y a une tradition qui dit, dans la bénédiction du repas, c'est le Père qui prononce la parole de bénédiction. Voilà. Quand nous avons pris la tradition, nous avons l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année 2022. Cher papa, si vous allez à la maison, signez le front de vos enfants. Et laissez-les. Accordez-lui de longs jours sur la terre. Parce que la bénédiction des parents compte plus que tout. Et en ce premier jour, c'est important de bénir vos enfants, tous ceux qui habitent votre maison. C'est assez important. C'est le signe que Dieu n'oublie jamais ses enfants, Dieu n'oublie jamais ceux qui prient, ceux qui implorent. Faites cela. Si vous vivez sur avec vos enfants, ou encore si vous êtes seul, quel signe chaque enfant de la maison, quel bénit ses enfants. Dieu sera nous avant de la gloire de notre espérance. C'est comme les prêtres, nous ne pouvons pas bénir nous-mêmes, malheureusement. Il y a toujours bien à côté qui bénit l'autre. Voilà. On ne peut pas se bénir soi-même. Donc vous voyez l'enfant, l'aîné de la maison, ou bien encore un enfant parmi tous les enfants, demandez-lui de vous signer le front. Dieu, Jésus a dit laissez venir encore le tout petit, car le roi des cieux leur appartient. Et c'est le signe que Dieu se souvient toujours de nous, de notre humanité, de notre petitesse. Et aussi que nous parlons les uns à nos autres. Que 2022 soit une année de bonheur, de bonté et surtout de santé éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction.